Ouais, vous me reconnaissez. Allez, top, c'est parti. Je suis, attention. Top, c'est parti. Je suis un animateur qui fait des vidéos sur YouTube. Je fais des vidéos sur les jeux vidéo. Je fais des vidéos sur les jeux découvertes. Je fais une chaîne comique qui s'appelle TTTTT. Je suis. Fleu du métro, évidemment. Eh oui. Bon. Vous n'avez pas trouvé? Alors, c'est parti. On envoie le jeu découvert puisque c'est comme ça. Allez, c'est parti. Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Alors c'est Flo du métro et bien entendu on va se jouer à ce jeu-là qui est... Bon, dépêchez-vous de mettre... Dépêchez-vous de... Voilà. C'est le rayon faible. Appuyez, ça va toucher, ok, j'ai pas touché, ok, on va appuyer sur l'entrée. Ça marche pas, d'accord. Ok, je vais prendre la souris. Bonjour et bienvenue dans le DVD interactif du Maillon Faible. Oui, bonjour. Vous êtes en famille ou peut-être entre amis, vous vous connaissez forcément et vous allez jouer en équipe. Si vous êtes seul, pas de chance, mais une option spéciale vous sera proposée. Jouons tout de suite au Maillon Faible. Voilà. Donc, on est tout seul à jouer. J'ai trouvé personne qui voulait jouer. Donc, on va faire le mode solo! Vous n'avez personne à qui vous mesurez? Non. Vous êtes tellement mauvais que personne dans votre entourage ne veut jouer avec vous? Soit de ça. Rappelez-vous, à l'issue de cette unique manche, la somme qui n'a pas été mise en banque est définitivement perdue. Cette manche ne dure que 3 minutes pour 25 questions maximum. Jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chrono. Oui. Joueur 1, c'est voici moi. votre question. Attends, je suis tout seul. Alors, quel sport pratiquant les 4 athlètes jamaïcains du film Rasta Rocket? Vite, vous répondez ou vous passez? Je dis ça au... Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. Oh, Paul. C'est à vous. Oui, je sais, c'est moi encore. Oui, je suis fort, je dis. Quel fromage est une spécialité grecque au lait de brebis? Le fololololol. Non, c'est italien. Plus que 5 secondes. Oui, allez, plus 5. Vous Ah, êtes vraiment ridicule. c'était là, la face. Joueur 1. Putain. Oui, c'est moi. En musique, quelle est la deuxième note de la gamme de Do? Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. Voici votre question. Oui, envoyez-la moi, s'il vous plaît. Selon le titre de sa chanson, où Étienne Dao veut-il un duel sous la pluie, le soleil? Je sais pas. Eh ben voilà, ce n'était pas compliqué. Oh, c'était au soleil. Joueur 1, c'est à vous. Combien le corps d'un homme adulte contient-il en moyenne 2 litres dans le sang? Vite, vous répondez. N'importe quoi. C'est 5 litres? Oh! Joueur 1, voici votre question. Oh là 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 là! D'après la légende, Saint-Louis rendait-il la justice sous un chêne ou sous un olivier? Sous un chêne. Un olivier, je dirais. Vraiment, c'est navrant. C'était sous un chêne. Joueur 1, c'est à vous. D'accord. Selon le titre de ce film en 1990, avec qui Thelma s'enfuit-elle?
est-elle en voiture? Vite, vous répondez ou... Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. Je mets au pif, faut me stresser, Laurence. Joueur 1, voici votre question. Alors, dans quelle planète viendraient les petits hommes verts de Mars? On appelle ça un miracle. Mais non, c'est pas miracle, c'est je savais la bonne réponse. C'est à vous. Oui, en banque. Je banque. 100 euros. En quelle année Christophe Colomb effectuera le premier voyage vers le Nouveau Monde? 6. On se dé. Je crois que c'est ça. C'est n'importe quoi. Ah, c'est 1492? Joueur 1. Oh, dis donc. C'est tout. En 2005, la sécurité sociale a-t-elle fêté ses 40 ou 60 ans? En 2005. Vraiment, 60 ans? C'est navrant. Tiens, voici votre question. Il n'y a pas trop longtemps. Quel homme d'État a fait voter les lois rendant obligatoire l'enseignement primaire? C'est n'importe quoi. Jules Ferry. Oui, Charlemagne, il a... Fin du temps réglementaire, regardez ce que vous avez réussi à mettre en banque. 100 euros. Belle performance dans la médiocrité. Oui. Allez, on a fait que cette vidéo, bon, en même temps, c'est très court, hein. Je pense que je vais pas... ça va pas durer longtemps, le jeu. Mode solo, c'est reparti. Vous n'avez personne à qui vous mesurer? Vous êtes tellement mauvais que personne dans votre entourage ne veut jouer avec vous? Rappelez-vous, à l'issue de cette unique manche, la somme qui n'a pas été mise en banque est définitivement perdue. Cette manche ne dure que 3 minutes pour 25 questions maximum. Jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chrono. Joueur 1, oui, voici je peux votre... manquer, regarde. Ah, j'ai manqué 0 euros. Dans quelle proportion les océans recouvrent-ils la Terre? On appelle ça un miracle. C'est plus de la moitié. C'est à vous. C'est énorme, hein. Vous avez eu 70%. Dans le film Autant n'emporte le vent, quel est le nom de la jeune fille de Scarlett? Aura, je crois, c'est ça. Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. J'ai entendu mes parents qui disaient ça. Je banque. Je banque, dès que j'arrive à 100, je banque. Complétez le titre de ce roman. Le nouveau fils d'Adamo. Camélia. Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. J'ai eu 200 aussi, j'ai eu 100. Voici votre question. Dans quel domaine la famille Fisher de la série Six Feet travaille-t-elle la mode, les pompes funèbres, la mode? Eh non, c'était pourtant facile. C'était les pompes funèbres. Joueur 1, c'est à vous. D'accord. Au Scrabble français, combien y a-t-il de jetons partant à la TX? Je crois qu'il y en a deux. N'importe quoi. Il n'y en a qu'un seul? Joueur 1, voici votre question. Eh ben dis donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. Au paradis, à qui Ève fait-elle croquer la pomme à Adam? C'est bien d'avoir de la chance. Oui, très bien. Joueur 1, c'est à vous. En France, sur l'autoroute, quelle vitesse maximale autorisée par temps sec? 130. Ah bah quand même. Eh ben oui. 200, ouais! Quel condiment fait la renommée des Dijon? Plus que 5 secondes. Oui, enfin, c'était facile. On va stresser, Laurence. C'est à vous. Ça va trop vite? Au bac à gamon, par quelle figure géométrique les casses sont-elles représentées? Des cercles, des rectangles, je sais pas. Mais non, pas du tout, mais vous êtes nul ou quoi? Joueur 1.
Quel circuit de la Sarthe accueille un Grand Prix de France Moto? Le Mans. Oui, c'est ça. C'est une bonne réponse. Oui, c'est ça, oui. Voici oui. Votre question. Oui, c'est cela, oui. Oui. Le mot céphalée est un signe de mal de tête, vrai ou faux? Faux. Vraiment, ah, vrai. C'est navrant. Ah ouais, c'est... Joueur 1, c'est à vous. J'ai perdu 50 euros. Quelle chaîne de montagnes traverse ce continent sud-américain et nord les Andes d'Atlas? Ah bah quand même. Joueur 1, voici votre question. Dans quelle planète? De quelle planète? Non, c'est de quelle plante le phylloxera est-il une maladie? Le maïs, vigne, pomme de terre, pomme de terre. C'est non. N'importe quoi. Ah bon. Fin du temps réglementaire, regardez ce que vous avez réussi à mettre en banque. Oh, 200, et c'est déjà mieux que tout à l'heure, hein. Belle performance dans la médiocrité. C'est là, il est plus haut maintenant. Oui. Vous n'avez personne à qui vous mesurer. Ouais. Vous êtes tellement mauvais ouais. Que personne dans votre entourage ne veut jouer avec vous. Tout à fait. Rappelez-vous, à l'issue de cette unique manche, la somme qui n'a pas été mise en banque est définitivement perdue. Cette manche ne dure que 3 minutes pour 25 questions maximum. Jouons tout de suite au maillon faible. Oula, la première question vaut 50 euros, top chrono. Joueur 1, ah non, voici votre question. Dans l'univers soldier, qui incarne le soldat Luke? Oh là là, j'en sais rien. Plus que 5 secondes. Oh, je suis là au pif. Vous êtes vraiment ridicule. Ah, c'était mon dame. C'est à vous. Comment s'appelle le compagnon de Romain Son mercredi? Mais non, vendredi. Pas du tout, mais vous êtes ah oui, nul, c'est quoi. Vendredi, allez, je me mélange les deux. Joueur 1. Quelle ville est associée au saucisse? C'est Strasbourg. Il n'y a pas de saucisse avec lequel on prépare... Plus que 5 secondes. Francfort. Oui, enfin, c'était facile. Oui. Voici votre question. Quel traitement médical utilise la vapeur d'eau? La carine. L'inhalation. Oui, c'est ça. C'est une bonne réponse. Et oui, on va essayer d'arriver à 200. Joueur 1, c'est à vous. Si on arrive à 5000, 5000. Allez, 5000. Depuis 1998, à Paris, quel grand défilé consacré à la musique électronique? Vite, vous répondez ou vous passez? Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. Joueur 1, voici votre question. Regardez, ça monte, on va arriver à 5000. En peinture avec le jaune et le rouge, quelle est la troisième couleur fondamentale? Rouge et jaune, ça doit donner du allez, allez. Vert. Eh non, c'était pourtant facile. Ah, du bleu. Ouais, j'hésitais. Joueur 1, oh, c'est c'est dommage, à vous. On a tout perdu. C'est pas de chance. Le peintre Toulouse, Lautrec, je connais pas, est-il né à Toulouse ou à Albi? Plus que 5 secondes. Vous êtes vraiment ridicule. Mais j'en sais rien, moi, en même temps. Joueur 1, voici votre question. Je suis joué à sa mère, ça marche. L'unité de mesure du Saint-Paul par les lettres de B est-elle le décibel ou le Dolby? Vite, vous répondez ou... Oui, on va répondre ça au pif. N'importe quoi. Ouais, c'est le décibel. C'est à vous. Vous me stressez, Laurence, en même temps. Hein. Pas de ma faute. Sous quel prénom connaît-on le plus jeune fils du prince Charles? Ah, oui. Plus que 5 secondes. Vous êtes ah, vraiment ridicule. Non. Joueur 1. Oh, c'est Harry. Quelle théorie scientifique expliquerait la naissance de l'univers par une fantastique explosion, le Big Bang? Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. Mais vous devriez lire les questions, voici Laurence. Voici votre question. Comme ça, moi, j'aurais pas les lire.
Quel animal est l'emblème de la fondation écologique World Wind Fund? Voilà. On se dépêche. Oui, eh ben voilà, ce n'était pas compliqué. Joueur 1, c'est à vous. J'aurais répondu au pif. Fin du temps réglementaire, regardez ce que vous avez réussi à mettre en banque. Ouais! Oh, non, c'est un splendide raté! Ah, bah oui! Ah, ouais! J'ai pas à dire! C'est un splendide raté! Oui, en effet! Si, je m'ai joué! D'accord. Règle du jeu. Le principe du jeu est simple. Vous devez répondre le plus rapidement possible aux questions posées pour constituer des chaînes de bonnes réponses. Pour répondre aux questions, il vous suffit d'utiliser les flèches de votre télécommande. Mais attention, pas d'hésitation possible. Votre premier choix sera automatiquement pris en compte. Vous aurez la possibilité de banquer avant qu'une question ne vous soit posée en appuyant sur le bouton OK de votre télécommande. Chaque manche s'arrêtera à la fin du temps réglementaire si le nombre de questions attribuées pour la manche est atteint ou si vous arrivez à mettre 5000 euros en banque. À l'issue de chaque manche, vous devrez voter pour éliminer le maillon faible et continuer la partie. Il suffira alors de choisir le joueur que vous voulez voir partir à l'aide des flèches de la télécommande, puis de valider votre choix avec la touche OK. Lorsque vous ne serez plus que deux joueurs, les gains de la dernière manche seront triplés avant d'accéder à la finale. Cinq questions seront posées à chacun des finalistes et à la manière des tirs au but, celui qui répondra le mieux sera le vainqueur. En cas d'égalité, c'est l'épreuve de la mort subite qui vous départagera. Vous pourrez à tout moment arrêter la partie en appuyant sur la touche menu de votre télécommande. À vous de jouer. Voilà, en fait, c'est pas là, j'aurais dû commencer à faire la vidéo. Donc, on va continuer la dernière partie, là, ou l'avant-dernière. Vous n'avez personne à qui vous mesurer? Vous êtes tellement mauvais que personne dans votre entourage ne veut jouer avec vous? Rappelez-vous, à l'issue de cette unique manche, la somme qui n'a pas été mise en banque est définitivement perdue. Cette manche ne dure que 3 minutes pour 25 questions maximum. Jouons tout de suite au maillon faible. Alors. La première question vaut 50 euros, top chrono. Joueur 1, voici votre question. Dans quel secteur économique l'agriculture est-elle classée secondaire? Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. C'est à vous. Oui, c'est la première chose. Quel présentateur joue dans un film 2 heures moins quart Jésus-Christ? Oh là 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 là. Allez, allez. Je connais que celui. Eh non, c'était pourtant facile. Mais moi je savais pas. Joueur 1. C'était pourtant facile, moi je savais pas. Quelle est la nationalité du champion olympique? Je sais pas. Je sais pas. Alors là. Dépêche. Regardez, si je réponds pas, on va voir ce qui va se passer. C'est lent. Voilà, trop tard. Voici votre question. Voilà ce que ça fait quand on répond pas. Quel nom latin désigne un groupe de discussion sur internet? Forum. Ah bah quand même. Ah bah oui, je connais hein, internet. Hein. Joueur 1, c'est à vous. Non, dans quel sport Michael Jordan n'a-t-il jamais été professionnel? Ah bah quand même. Eh oui. Joueur 1, voici votre question. J'ai un petit peu de connaissance, j'ai un minimum de petit peu de connaissance pour vous. Quel animal de Monsieur Seguin fait dévorer par vous une brebis? Vraiment, c'est naf. Non, c'est la chèvre. Ben oui, c'est la chèvre. Joueur 1, je joue trop vite aussi. Oh là là, je joue trop vite. En athlétisme, quel type de saut la technique inventée par... Que 5 secondes. Enfin, ça m'était associé à un saut... C'est lent.
Joueur 1, voici votre question. J'ai pas eu le temps de répondre. Comment se nomment les habitants de Saint-Étienne ? Stéphanois, les Étiennois, le Stéphanois. Oui, c'est ça. C'est une bonne réponse. Oh, oh, je suis fort. C'est à vous. Les héros de bande dessinée. Et encore, et le petit indien, vrai ou faux ? Oui. Oui, c'est ça. C'est une bonne réponse. Ça me dit quelque chose. Joueur 1. Je ne peux pas vous dire quoi. Quelle romancière a créé la détective amateur Miss Marple ? On peut pas. Ben. C'est lent. Pourquoi ? J'ai fait n'importe quoi. Quel groupe de rock Mégrageur est-il le chanteur ? N'importe quoi. Mais je sais pas. Joueur 1, c'est à vous. Non, ce jeu, c'est pas, c'est pas moi. Fin du temps réglementaire, regardez ce que vous avez réussi à mettre en banque. Oui, oh, c'est beau. C'est un splendide raté. Il y a pas à dire. Allez, enfin. Vous n'avez personne à qui vous mesurer ? Vous êtes tellement mauvais que personne dans votre entourage ne veut jouer avec vous ? Rappelez-vous, à l'issue de cette unique manche, la somme qui n'a pas été mise en banque est définitivement perdue. Cette manche ne dure que 3 minutes pour 25 questions maximum. Jouons tout de suite au maillon faible. Heureusement qu'il ne faut pas jouer aussi vrai, hein. La première question vaut 50 euros, top chrono. Faut mieux rire qu'en pleurer, Laurence. Voici votre question. Voilà ma question. Faut mieux rire qu'en pleurer. Comment s'appelait la chienne qui fut le premier à être vivant envoyé dans l'espace ? Yuri, là si, Yuri. C'est n'importe c'est quoi. C'est des carbons, d'accord ? C'est à vous. Ouf, là, ça va pas. Quel est environ le pourcentage de liquide des huiles alimentaires ? Eh non, 100%. C'était pourtant facile. Oh, joueur 1. Alors, dans quelle partie d'une église peut-on visiter la crypte ? Le clocher, le clocher. Eh non, c'était pourtant facile. Ah oui, voici les contes de la crypte. Dans le film, la série Contes de la crypte, oui, c'est sous, il en descend. Les villes de Quimper et de Quimperlé sont dans les mêmes départements, vrai ou faux ? Je sais allez, pas. Allez. Je dirais faux. Eh non, c'était pourtant facile. Ouais, je sais pas. Joueur 1, c'est à vous. Ils vont me tuer si ils vont. Quel animal de Moby Dick ? Un dragon. C'est n'importe quoi. Une baleine, d'accord. J'ai eu un joueur 1, voici votre question. Jamais. Quelle partie charnue d'un citron retrouve-t-on dans son jus non filtré ? Allez, pépam. On se dépêche. Quelle partie charnue d'un citron ? C'est lent. Joueur 1, c'est à vous. Le petit marron est-il une variété de courage ou de courge ou de châtaignier ? Allez, allez ! C'est lent. Joueur 1, voici votre question. En 2005, voici ma quel animal fabuleux. Voilà, c'est Gromy, poursuit-il. Le garou. Vite, vous répondez. Oui, c'est ça, c'est une bonne réponse. Un lapin garou. C'est à vous. Non. Faut manquer là. C'est trop tard. Dans un livre, qu'est-ce qui désigne la dernière partie d'un roman ? Zut, épilogue. Ah bah quand même. Banque. Joueur 1. Ça fera toujours ça de gagner. Quel côté le soleil se lève-t-il à l'ouest, à l'est ?
Oui, enfin, c'était facile. Allez, banque. Une banque de 50 euros. Qui chantait en 1987 « Viens boire un petit coup à la maison » La bande d'asile. Vraiment, c'est n'importe quoi. 104, il s'appelle. Fin du temps réglementaire, regardez ce que vous avez réussi à mettre en banque. Belle performance dans la médiocrité. C'est mieux ça que rien du tout, hein. C'est mieux que rien du tout, je veux dire. Donc voilà, on peut jouer à ce jeu en solo. Ensuite, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jusqu'à 9. Voilà, on va expliquer l'ordre dans la règle du jeu. Voilà, je vous remercie. Je sais, cette vidéo est très courte, mais en même temps, j'ai pas envie de faire d'autres parties. Alors, si je ferai d'autres parties, mais pas en solo. Pas en solo, non, pas en solo. J'en ferai avec d'autres personnes. Je vais trouver d'autres personnes. Et je ferai une partie à plusieurs. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bon, ça s'arrête ça. À bientôt. Il y a donc là. Attendez. On va mettre 2 au pif. Et on peut mettre 2. Attendez. La capture. Face à moi, deux joueurs. Un peut être remporté la somme virtuelle de 5000 euros. L'autre quittera le jeu sans rien, les mains vides. Je vous rappelle les règles du maillon faible. Dans cette unique manche, il y a 5000 euros à gagner. Vous devrez répondre correctement à un maximum de questions pour tenter de remporter cette somme. Le moyen le plus rapide d'y arriver est de former une chaîne de 9 bonnes réponses consécutives. Mais attention, si vous donnez une seule mauvaise réponse, vous brisez cette chaîne et vous perdez l'argent que vous venez d'accumuler. En revanche, si vous appuyez sur « Banque », avant qu'une question ne vous soit posée, l'argent est sauvé et vous pouvez redémarrer une nouvelle chaîne de questions. Rappelez-vous, à l'issue de cette unique manche, la somme qui n'a pas été mise en banque est définitivement perdue. Cette manche ne dure que 2 minutes 30 pour 20 questions maximum. Voyons à présent qui débute la partie. Joueur 2, c'est vous qui avez été désigné pour commencer la partie. Jouons tout de suite au maillon faible. La première question vaut 50 euros, top chrono. Joueur 2. Voilà, c'est marrant, voilà, ça se passe comme ça quand on joue à plusieurs. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye à tous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, allez. C'est lent. Joueur